Qui se rappelle ce qui s'est passé pendant les épisodes précédents? Ouais. Personne? Voici donc les moments forts de cette saison. Et si on parlait de Brice le traître? Ouais, c'est vraiment une ordure celui-là, je le déteste. Sous ses airs rachitiques, c'est le pire des stratèges. Bouh. Cluner. J'ai jamais pu blairer les blondes. Maigrichon. Bouh. Cluner. Brice, vous comprenez ces accusations? Non, pas du tout. Alors vraiment, je suis désolé, je me suis trompé. Pardon. Copain. Mais ça ne remplit pas le ventre, tout ça. J'ai pas compris le rapport. Non, parce que hier soir, je vous ai préparé un gâteau au cafard. Je suis encore désolé pour hier soir, Eminem. Yo. Je suis sûr que c'est Fabrice qui va sortir. Non, ce sera Angélique. Je peux pas blairer Lola. Ici, c'est pas la peine de rajouter du sel. Laurent, je l'aime pas, j'aime pas les profs. T'as vu comment elle se fringue? Dorian, je lui pèterais bien les dents. On est une grande famille avant tout. On n'est pas rancuniers. Je la déteste, en plus je lui ai jamais parlé. En plus, elle sent mauvais. Sa stratégie, c'est de la merde. Partez sur votre île à la recherche de Ava. Quoi ça? Ben, j'en sais pas plus que vous. Le Ava, je suis sûr que c'est une bête sauvage. Ouais, Ava, c'est plus une légende qu'autre chose. Je suis sûr que ça existe même pas. Ava? Ava? Alors, je vais vous expliquer cette épreuve en me balançant sur mes jambes et en ouvrant mes bras. Attention, c'est parti. Vous allez être reliés par binôme. Et qui dit deux, dit tirage de boules. Alex, lâchez Dorian, s'il vous plaît. Ah bah maintenant, j'ai deux boules noires. Bon, Ava, vous avez une olive. Vous êtes vraiment prête à tout pour vous faire remarquer. Et une olive. En même temps, je suis verte qu'on me voit jamais. Ah, je suis trop contente de notre binôme. Le mariage des muscles et de la tête. Hihi, on va les déglinguer. Moi, au conseil, je vais voter contre Lola. J'ai aucune affinité avec elle. Et le binôme sera aussi éliminé. Faut que je prévienne Lola alors pour qu'elle sorte son collier. Comment elle va, Lara Croft? J'angoisse. Dis donc, t'es lourde comme un sac à patates. C'est parce que je mange beaucoup de frites. Alex, c'est moi, je suis le cerveau et toi, t'es les muscles. Pourquoi je te porte? Je sais pas. C'est très serré entre le binôme de Lola et de Laurent. Allez, Lolo! Lola, 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 allez, Lolo! Allez, Lola, allez, Lalo! La victoire pour Fablix et Lalo! Aïe! Ça y est, c'est bon, Fabrice va sortir sur décision médicale. Et on y retourne. Je vais me venger si je retourne dans le jeu. Je rêve de leur refaire la cuisine. J'espère qu'il s'est fait un trauma crânien. Fausse alerte, en fait il va même pas à l'infirmerie. Pourvu qu'il y en ait un autre qui se fasse mal. Ils ont des stratégies de merde. Je suis trop déçu, y'a pas de frites. Une fois, je suis allé voir une diététicienne. Elle s'est pendue. C'est rigolo. Une fois, j'ai mangé 15 Toblerones avec des œufs crus. Putain, elle fait que bouffer. J'ai essayé de la séduire en lui faisant une crêpe. Pour moi, t'es comme mon père. Tu vas te les faire toute seule tes crêpes alors. C'est marrant, quand ils cassent les œufs, ça me fait penser à un bruit que j'ai entendu tout à l'heure. Allez, il faut qu'il m'en fasse encore 3 comme ça. Je vais les faire au bacon et au Nutella. Putain, il faut pas l'inviter au resto, elle. Elle a roté. Allez, je t'en fais une aux champignons et au Nutella. Rajoute des moules. Tiens, une naine. Salut. Hé, Denis, t'as déjà joué de l'accordéon? Un requin. Non, arrête avec ça. Allez, un petit quinquin. Perfect. T'es vraiment doué de tes doigts. Et encore, t'as pas vu ma... J'ai faim. Quelle misère, on va manger du cafard. Tu pourrais m'aider à l'attraper, Dorian. Je me suis brûlé. Arrête de faire le con et viens m'aider. Non, mais t'as pas vu la gueule de ma main. Non, mais tu vas te prendre ma main dans la gueule. Arrêtez de vous engueuler, j'arrive pas à dormir. Salut. Manquait plus que... On s'est pété le ventre, c'est bon. Il y avait tellement à manger. On veut pas savoir. J'ai fait bacon, pastèque, Nutella. J'ai mangé des crêpes jusqu'à dégueuler. Et sinon, je vous ai dit que j'avais une baraque à frites. Les frites dans du pain frais. La pastèque au Nutella. Non, la pastère, la goulue, là. Moi, je suis parti pour me jeter contre un arbre. J'ai mal au ventre. Ta gueule. Et voilà, avec Alix, on a été les seuls à s'occuper du feu et à faire la popote. Moi j'ai peur, je suis angoissé. Moi j'ai peur, j'ai trop peur. Et moi je suis trop heureux d'être en binôme avec elle. Mais c'est gentil. Comment ça se fait que les autres soient en binôme et que moi je suis tout seul? Elle est avec moi la meuf en bleu. C'est qui? Fabrice, t'as pas faim toi? J'en peux plus. C'est l'heure du petit-déj. Faut que j'essaye les huîtres Nutella. Pour gagner cette épreuve d'immunité, vous allez devoir envoyer un palet sur le support situé de l'autre côté. Et comment Denis, comme ça? La victoire pour vous, Alexandra. Lola, rendez-moi le totem, j'ai faim. Alexandra et Loïc, venez le récupérer. C'est con, j'avais des boules saumon et argentées pour le tirage. En tout cas, bravo les fratés. Et derrière moi, l'homme invisible. Avec vous, Ava, ça fait 2. C'est vrai qu'on vous voit pas. En tout cas, moi je suis content pour Alexandra. Parce qu'elle avait peur au début. Ouais, c'est vrai, merci Loïc. Ça me fait triper. Pour le coup, je vous enfile un autre. Merci Denis. Lola a un collier et Alexandra peut voter 2 fois. Lola a le ventre rempli et Dorian la main brûlée. La tension est corallienne et presque prosaïque. Salut les petits cafards. Salut fraté. Ce soir, j'imagine que la stratégie est à son comble. Ouais. Fabrice. Denis, excusez-moi, mais je pense que ce serait intéressant qu'on recompte les votes. D'autant que là, il y en a eu que 2, donc ce serait rapide à recompter. Donc Fabrice, vous avez 2 voix contre vous. Je ne reconnais pas ma défaite. Non mais là, on a dépouillé que 2 votes. Ouais, mais pourquoi c'est aussi long? Faut réformer tout le système.
Laurent, moi je pense qu'il faut pas tenir compte de ces derniers votes. C'est Fabrice qui a perdu. On peut pas se décider tant que tu n'es pas dépouillé. Et pourquoi y en a qui votent deux fois? C'est le vote noir. Attention à comment vous parlez de Moussa. Brice, est-ce que d'autres personnes ont touché à l'urne avant vous, Denis? Fabrice. Brice, Fabrice, Brice, Fabrice, Brice, Alix, Fabix, Alix. Les votes sont serrés, mais tout le monde reconnaît que c'est Laurent qui a le plus de voix. Vous étiez le cerveau du binôme, maintenant on va appeler les muscles. Bon, Alix, lève-toi maintenant. Eh ben, on dirait que les muscles n'obéissent plus au cerveau. Non, mais Alix, lève-toi, les suffrages ont parlé. Alix, faut reconnaître la défaite, là. Vous démerdez comme vous voulez, mais vous la ramenez avec vous. Ben, je vais la foutre sur mon dos. Putain, c'est déjà fini. Oui, mais tu peux jouer de l'accordéon. Allez, courant, j'ai pété le score. Abonne-toi à la chaîne, connasse.